Bonjour, dans ce cours vidéo, je vais te présenter comment tu vas être en mesure de partager ton projet avec d'autres personnes. Donc, première des choses, tu vas devoir, si ton application n'est pas ouverte, tu vas devoir cliquer sur l'image pour ouvrir l'application. Donc, une fois dans l'application, tu vas devoir choisir le projet que tu veux partager. Donc, le projet que je veux partager, moi, présentement, c'est le projet Bonjour. Donc, je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc, une fois ton projet ouvert, tu vas devoir aller dans le coin supérieur droit où j'ai placé le petit cercle rouge et tu devras cliquer à cet endroit. Donc, à partir d'ici, tu auras probablement besoin de l'aide de ton parent, de ton grand-frère, de ta grande sœur. Donc, tu dois en premier peser pour les parents. Ensuite de ça, tu vas avoir une petite addition mathématique que si tu es capable, vas-y et réponds. Et finalement, on va peser sur l'endroit qui est identifié partagé par courriel. À partir de là, tu devras entrer dans la section A l'adresse courriel de la personne à laquelle tu veux envoyer ton projet. Et par la suite, il restera tout simplement à cliquer sur la flèche vers le haut pour pouvoir envoyer ton projet à la personne désirée. Donc, ceci met fin à la partie pour partager. Cependant, la personne qui va recevoir ton projet devra suivre les étapes et que je vais t'expliquer pour pouvoir ouvrir ce projet-là. Donc, pour ouvrir le projet que tu viens de partager, la personne devra avoir installé sur son iPad l'application Scratch Junior. Donc, elle va ouvrir ses courriels. Et une fois sur les courriels, elle va avoir un fichier qui s'appelle le nom du fichier avec une extension, le point SJR. En cliquant dessus, la fenêtre va changer. On va aller dans l'icône de partage en haut. Par la suite, on va se déplacer dans la deuxième ligne jusqu'aux trois petits points pour avoir plus. Et dans la liste de plus, on va avoir dans le bas l'application Scratch Junior. Donc en cliquant dessus, l'application Scratch Junior va ouvrir. Et à ce moment-là, dans ces projets, il va y avoir un nouveau projet avec un petit bandeau cadeau qui est le projet que tu vas lui avoir partagé. Donc, n'hésite pas à partager avec tes amis, les gens de ta famille, les projets que tu vas avoir réalisés.